Bonjour, l'automne est là. Alors pour se réchauffer, un couscous aux légumes du soleil, facile à préparer. Dans un premier temps, éplucher et couper tous les légumes. Les légumes ont été découpés maintenant. Dans un grand faitout, ajoutez un peu d'huile. Quand l'huile est bien chaude, faites revenir les oignons. Ensuite, l'ail et le gingembre. Ajoutez les poivrons. Quand les oignons ont bruni un petit peu, ajoutez les légumes. Dans un premier temps, les carottes et les navets. Les tomates. Quand les légumes sont bien revenus, ajoutez de l'eau. J'ajoute un bouillon en cube, le curcuma, les épices pour le couscous, du poivre, un peu de gros sel, pas trop parce que le bouillon va déjà bien saler la préparation. Je couvre et je laisse cuire 10 bonnes minutes. Je vérifie la cuisson des carottes et des navets. Ça a l'air cuit. Je rajoute les aubergines. Puis les courgettes. Je couvre et je remets à cuire encore un bon quart d'heure. Les légumes sont cuits, je rajoute maintenant les pois chiches. Les pois chiches sont déjà cuits, j'ai pas besoin de les cuire à nouveau, j'éteins le feu. Je mets de la coriandre fraîche. Je couvre et je laisse reposer le temps de préparer la semoule. Je mets la semoule. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Une pincée de sel dans l'eau bouillante. Je mélange tout, je couvre et je laisse reposer 10 bonnes minutes. Séparément, je fais cuire quelques œufs durs pour apporter un peu de protéines au plat. Je mets un peu de bouillon dans les raisins secs pour les faire gonfler. Égrenez la semoule. Faites revenir la semoule dans un peu de beurre fondu.
à feu doux. Disposez les légumes parsemés de raisins secs. Arrosez avec le bouillon de légumes. Et c'est prêt à être dégusté.